Ensuite, je reçois beaucoup de demandes d'amis, mais que je supprime. Pourquoi? Parce que j'ai mille et une fois dit aux frères et sœurs qui m'envoient des demandes d'amis que écrivez-moi également en privé pour me dire que c'est bien une demande d'amis. Parce que j'en ai reçu et je fais toujours aux gens la bienvenue. Et les gens, ils sont étonnés, quoi. C'est pourquoi? Tu es qui? Non, apparemment, j'ai forcé l'amitié alors que je ne fais que répondre. Je n'ai fait que répondre à votre demande d'amis. Donc, il y en a que j'ai supprimé parce que je me suis dit, c'est une erreur de touche. Mais moi, quand je vais sur un profil, avant de lui envoyer une demande d'amis, je regarde d'abord ses publications. La personne a dit quoi, a écrit quoi et partage quoi. Est-ce que toi et moi, on peut être amis ou pas? Et puis, amitié, c'est du boulot. Voilà, le son est bon. Amitié, c'est du boulot. Parce que être l'ami de quelqu'un, comme dit Pasteur Raoul Wafo, être ami, c'est un engagement. Allez, le jour où je suis en deuil, tu dois m'assister. C'est mon anniversaire, tu dois me souhaiter mon anniversaire. Tu dois liker mes publications. Bon, tu ne le fais pas, tu veux qu'on soit amis, c'est pourquoi? Mes publications à moi, la plupart sont publiques. Pourquoi tu veux qu'on soit amis? Être ami, c'est un engagement. Je suis bien, tu dois être là. Je suis mal, tu dois être là. Sauf si je ne publie pas que je suis en deuil. Moi, je n'aime pas publier que je suis en deuil. Moi, j'arrive pas à le faire. Beaucoup vivent leur deuil en ligne. Hein. Photos noires, tout ça. Enterrement, on a filmé tout. Monter en moitié avec Mojo Kwani, on a filmé tout. Et puis, d'après la Zongando, pour la queue à Toto Kwani, moi, je n'arrive pas à faire ça. Pas que je cache mes émotions, non. Peut-être Marie Poto, je peux peut-être mettre une annonce, mais je n'arrive pas à le faire. Même mon propre père, je ne l'ai pas fait. J'ai jamais mis que j'avais perdu mon père. Je n'ai jamais mis ça en ligne. Sauf si j'ai oublié. Mais je n'arrive pas à le faire. Et ce n'est pas les gens qui ouvrent leur grande gueule pour le dire sur les réseaux sociaux. Je n'arrive pas à le dire. Je n'arrive pas. Même dans mon église. Je n'ai pas pu le dire. Tellement que c'était fort pour moi. Donc ce sont des blessures parfois que l'on garde et que l'on gère en privé. Donc ceux qui veulent être mes amis, réfléchissez bien. Pour moi, la page, elle est publique. Qu'on soit ami ou pas, ce n'est pas important. Mais quand on est ami, tu dois être là pour liker mes publications. Donc, c'était un engagement, vous êtes déjà prévenu par rapport à cela. Ensuite, qu'est-ce que dit Michaela? Ce n'est pas tout qu'on partage en public. Exactement, Michaela. Voilà.